Je suis Faustine Tillard, responsable du développement et des partenariats éducation chez Mobidis. On est une entreprise nantaise spécialisée dans l'accessibilité cognitive et on a développé les bibliothèques numériques Sondo à destination des élèves du CP à la terminale. Et je suis Estelle Daera, je suis responsable de l'accompagnement des abonnés et de la question de l'impact chez Mobidis. Donc aujourd'hui, pour la cité éducative de Caen en particulier, on va s'adresser aux 4 collèges de la cité éducative. Ça représente environ 2000 élèves qui vont tous pouvoir bénéficier de la bibliothèque, leurs enseignants également. La bibliothèque Sondo, elle est accessible directement sur l'ENT au niveau de l'espace Média Centre, donc chacun peut se connecter à son ENT, aller retrouver la ressource et directement avoir accès à l'ensemble des livres, en classe comme à la maison, ce qui est important. Et donc si on se concentre sur le niveau collège, puisque encore une fois on a école, collège, lycée, et on propose une bibliothèque qui regroupe environ 350 titres de littérature, qui sont des titres prescrits par les enseignants, déjà publiés par d'autres éditeurs traditionnels. Ce qu'on fait, c'est qu'on les propose dans un format numérique qui est personnalisable en fonction des besoins de chaque lecteur. Donc chaque élève va pouvoir adapter le livre en fonction de ce qui va lui soulager son effort cognitif. Donc ça va aller d'aide au repérage assez simple à des aides au déchiffrage ou encore à la compréhension. Donc ça inclut notamment le soutien audio en voix humaine, donc on fait appel à des narrateurs professionnels qui vont narrer tout le texte. L'objectif avec tout ça, c'est d'inclure tous les élèves pour les embarquer dans la lecture. Les impacts qu'on observe aujourd'hui dans les établissements utilisateurs, c'est déjà un gain d'autonomie et de confiance en soi dans la lecture et dans les devoirs, puis aussi un gain de plaisir quand il s'agit de lire et de rentrer dans les histoires, ce qui est important aussi d'avoir ce rapport-là à la lecture. Là, je parle plutôt de lecture autonome, mais on a aussi des cas d'usage dans un cadre collectif, par exemple en salle de classe, des enseignants qui s'emparent de l'outil Sondo pour travailler la lecture à voix haute et l'affluence avec leurs élèves, notamment dans des groupes avec des élèves à besoins éducatifs particuliers, dans des classes de dispositifs, ULIS, SECPA, UPE2A par exemple. Et ce qui est important aussi, c'est notamment dans ce cadre de travailler avec des cités éducatives, c'est l'appui d'acteurs associatifs locaux pour permettre de prolonger l'accès et l'utilisation de la ressource depuis l'établissement jusqu'à la maison, en passant par la dimension extrascolaire, l'accompagnement aux devoirs, l'ouverture culturelle. Et donc on a eu des cas de partenariats intéressants qui ont permis de favoriser l'accès à la ressource dans les familles notamment, dont le français n'était pas la langue maternelle, et qui ont pu bénéficier d'accompagnement et de la bibliothèque dans leur foyer. Donc si je résume, Sondo c'est vraiment un levier pour aider les enseignants à faire lire des livres à tous leurs élèves, et en particulier aux élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est une bibliothèque qui regroupe vraiment les titres qu'ils ont l'habitude d'utiliser en classe, donc littérature jeunesse, classique, contemporaine, c'est vraiment les ouvrages qui nous ont demandé, hein. On n'est pas sur des titres qui ne seraient pas utilisés. Et on est à l'écoute des suggestions. Et on est tout à fait à l'écoute des suggestions. Et on va enrichir le catalogue tous les mois, il y a des nouveaux titres qui paraissent. Donc n'hésitez pas, on a des titres en anglais aussi, en FLE, etc. Et du coup, c'est aussi une façon de faire entrer justement ces livres dans tous les foyers, toutes les familles des élèves du collège, ce qui est non négligeable parce que on est très contents si les petits frères et sœurs vont aussi lire sur son dos.